Salut les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas sorti de vlog, je sais pas, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Il me semble que le dernier vlog c'était sur Thanksgiving, donc c'est même plus qu'un mois. En gros, le vlog d'aujourd'hui c'est sur Noël et tout le temps qu'on a passé autour de Noël. Presque tout le temps que je ne vous ai pas encore montré en fait. L'une des raisons pour laquelle je n'ai pas beaucoup filmé ces temps-ci, c'est que premièrement, on était quand même assez occupés. Même si on n'avait pas toutes les fêtes de famille comme on a d'habitude en Suisse, ou avec les copains, mais on avait quand même pas mal de petites activités par-ci par-là, et du coup j'ai pas eu trop envie de me poser devant mon ordi pour faire du montage. Mais j'ai quand même récolté quelques images que je me réjouis de vous montrer dans ce vlog-là. Et l'autre raison pour laquelle j'ai peu filmé, c'est que à la toute base, la famille de Tim était censée venir nous rendre visite pour Noël. Et à cause du coco, ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai eu une petite période un petit peu down, de déception, où j'ai dû un peu gérer ma tristesse et ma déception. Suivie d'une période où j'ai été malade. Je sais pas si c'est le coco ou si c'est juste les émotions qui ont été absorbées dans mon corps. Ou si c'est juste que j'ai attrapé une grippe, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais pas très bien pendant un petit bout de temps. Et après on a fêté Noël et Nouvel An, et là aujourd'hui on est les rois, et je me dis que si je sors pas une vidéo sur Noël au moment des rois, je la sortirai plus jamais. Donc c'est le moment de filmer, alors je vous filme ça maintenant. Du coup, pour commencer depuis le début, si on rembobine, on a préparé l'appartement comme si on allait fêter Noël chez nous avec la famille de Tim, même si de toute façon il était censé venir après Noël, justement dans la période où je suis en train de filmer ce que je vous dis là maintenant. On s'était dit que on allait s'accueillir avec un sapin et puis faire quand même un petit Noël entre nous et profiter de tout ça ensemble. Et même sans la perspective qu'ils viennent chez nous, on avait quand même, enfin j'avais quand même, je vais être tout à fait honnête, j'avais quand même envie de décorer l'appartement pour qu'il soit festif. Et puis avant de partir dans nos bagages en juillet, j'ai quand même, enfin dans nos bagages, dans nos cartons, j'ai quand même mis genre 4 boules de Noël et demi et 2-3 petits pères Noël par-ci par-là, juste en me disant que j'avais une petite base. Et puis au début avec Tim, on s'est posé la question si ça valait vraiment la peine d'investir dans un sapin. On a quand même opté pour un sapin en plastique. Je me réjouis de rentrer en Suisse pour avoir un sapin, vrai sapin, et pas avoir un sapin en plastique. Mais là ça fait l'affaire, et au moins on le rentabilise sur 2 ans, et peut-être on pourra le reprendre en Suisse, qui sait, on verra la taille de nos bagages pour rentrer. Mais en tout cas on a investi dans un sapin et dans un petit peu de décoration, alors j'ai pris du plaisir à décorer l'appart quand même. J'ai essayé de faire des décorations homemade pour que ça ne coûte pas trop cher, alors j'ai fait sécher quelques oranges et j'ai découpé et suspendu des fleurs pour qu'elles deviennent des fleurs séchées pour pouvoir les mettre dans le sapin, et du coup ça donnait quelque chose d'assez joli, mais c'était la version la plus cheap possible. En comparaison avec les maisons qu'on a pu visiter dans les temps de Noël chez nos amis ou dans les familles de nos amis, l'appartement n'a rien du tout de festif. Enfin, notre appartement c'est vraiment le minimum du minimum. Alors oui, j'ai changé les linges pour que ce soit des linges Noël, mais par rapport à ce qu'on a pu voir, c'est vraiment juste ça, minimum du minimum. Mais en tout cas, c'était vraiment cool d'être aux États-Unis pendant cette période des fêtes. J'ai peu filmé de décorations, que ce soit dans les rues, il y avait quand même beaucoup de maisons qui, comme Halloween, si vous avez vu le vlog d'Halloween, décorent leur jardin pour Noël, mais vu que c'est surtout des décorations de lumière pour la nuit, en vidéo ça donnait pas très bien, et on n'a pas fait un tour exprès pour regarder toutes ces lumières, mais je vous dis, je vous danse ça comme ça, c'est vraiment stylé. Et puis bien sûr dans les magasins c'est extrême, ça déborde de décorations partout. Dans le centre-ville, ils avaient fait un grand sapin qu'ils ont illuminé pendant tout le temps. Il y avait aussi toute une allée qui était illuminée. Et puis, il y avait une énorme statue d'une grosse boule de Noël qui était placée en plein milieu d'Uptown. Donc c'était vraiment très chouette. On ressentait vraiment l'ambiance de Noël, les musiques de Noël partout, toutes ces choses-là. Et j'ai même fait une couronne de l'Avent pour garder un peu ce rituel-là, parce qu'ici j'en ai pas trouvé une seule. Je pense que c'est vraiment un truc suisse. Non, je pense pas que c'est un truc suisse, mais je pense que c'est pas répandu aux États-Unis. Et du coup, je me suis dit que j'avais quand même envie de garder un peu de cet air-là chez nous. Même si j'ai mis en place tous ces éléments-là pour qu'on vive Noël chez nous ici, un peu comme à la maison, il n'empêche que c'est très différent que d'être en Suisse et d'avoir un repas de famille, d'amis, tous les week-ends de décembre, tous les week-ends qui précèdent Noël. Là, c'était pas pareil. Même si on a eu quand même quelques fêtes par-ci par-là, on se sentait bizarrement pas trop dans l'ambiance de Noël, même si au niveau démonstratif, il y a bien plus de choses de Noël ici qu'en Suisse. L'un des facteurs qui, à mon avis, fait qu'on se sentait pas
tout à fait dans Noël malgré tout ça, c'est que ben on avait une météo pas du tout hivernale, grand soleil, grande chaleur. En tout cas pour nos grandes chaleurs, on n'est pas habitué à être en t-shirt dehors en décembre. Donc c'est appréciable mais en même temps perturbant. Et du coup, comme je l'ai dit, au bout de... J'arrive pas à me souvenir quand est-ce qu'on a appris la nouvelle, mais on a vu se dessiner petit à petit que les vacances des Verlis aux US n'allaient pas avoir lieu. Sur le moment, comme je l'ai dit, c'était un peu difficile à digérer parce que mine de rien, ben là, ça va bientôt faire 6 mois qu'on est ici déjà. Et même si on se rend bien compte que c'est un gros projet de devoir envisager de venir ici et que ça demande aussi d'avoir des vacances, de prévoir un budget pour... Et puis, on réalise aussi que Charlotte, c'est pas forcément une ville connue, donc ça attire pas forcément les gens, mais je pense qu'on avait tous les deux en tête que, en tout cas, ce serait plus accessible pour nos familles et nos potes de venir nous rendre visite, et on se rend compte que c'est pas le cas. Et du coup, je pense que le fait de s'être réjoui autant qu'il y ait enfin des gens qui viennent nous rendre visite, pour que finalement ça se fasse pas, ça nous a vraiment fait un petit coup au moral. Et moi, je dois avouer que j'ai eu une petite période un peu de down où j'avais plus rien envie de faire, mais maintenant ça va mieux, ça va en partie mieux parce que l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a Camille, la sœur de Tim, qui vient de rendre visite pour un mois. Elle va nous supporter pendant un mois, et du coup, ben c'est clair que ça me réjouit d'autant plus. Mais c'est vrai que sur le moment où on a appris que ça allait pas se faire et qu'on savait pas encore exactement si Camille allait pouvoir venir ou non, et ben ça m'a rendu triste. Voilà. Et il y a eu d'autres imprévus qui font partie de la vie, mais comme par exemple passer un mercredi soir dehors, parce qu'on a une alarme incendie qui est très sensible dans l'appartement, et du coup ça arrive très souvent que ça se déclenche. Moins souvent qu'on ait besoin de sortir parce que ça dure longtemps, mais là c'était le cas. Alors on a cette grande balle combat, on a pris les chats dans leur panier, et on est allé faire 20 petites minutes dehors devant l'appart en attendant que l'alarme s'arrête. Mais heureusement, pour le moment, à chaque fois, c'est juste l'alarme et jamais de dégâts, en tout cas, pas depuis qu'on est arrivé, donc tant mieux. J'ai pas filmé toutes les activités qu'on a fait pendant ce temps des fêtes, mais on a eu la chance d'être invités à plusieurs endroits avec nos amis, nos différents amis. On est retourné au parc d'attractions, on était allé pour Halloween, et je vous montre quelques images parce que c'est vraiment très différent de l'ambiance qu'il y avait à Halloween, bien plus joyeux et lumineux. On a aussi eu quelques soirées par-ci par-là à boire des verres avec différents groupes d'amis. Et on a aussi commencé à découvrir un peu les bars et on est sortis pour la première fois vraiment. C'est un peu toujours le cas à Charlotte, mais pendant la période des fêtes, c'est encore plus fréquent. Il y a plein de marchés par-ci par-là qu'on pourrait considérer comme des marchés de Noël, même si ça ressemble pas à l'idée que moi je me fais du marché de Noël en ayant vécu le marché de Noël de Montreux. Ça ressemble pas à ça. C'est plus des marchés d'artisans un peu par-ci par-là. Et vu qu'il fait encore assez beau et chaud, il y a parfois des concerts et encore des gens en t-shirt et en short. Mais on a encore découvert de nouveaux endroits et on trouve vraiment que c'est une richesse de Charlotte, toute cette partie un peu des petits commerçants et artisans, plein d'endroits où il y a toujours des choses qui se créent et des nouveaux événements, et c'est vraiment riche. Et en début du mois de décembre, j'ai eu droit à mes cadeaux de Noël de la part de Tim. Je me suis fait tatouer chez un des tatoueurs de Charlotte et je me suis fait 2 tatouages. Il n'y a pas une signification très poussée derrière ces 2 tatouages, si ce n'est que j'avais envie d'avoir un tatouage l'année de mon mariage. Du coup, j'ai fait un tatouage qui, pour moi, représente notre mariage. Et j'ai l'impression que durant cette année, en grande partie dû au fait qu'on a déménagé à Charlotte et que je me suis, mine de rien, retrouvée beaucoup plus seule et beaucoup plus confrontée à mes états d'âme, si on peut dire. Je pense que c'est une année où j'ai aussi appris à un peu plus m'aimer, même si c'est encore work in progress, comment dire. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de développer et que j'apprécie développer, même si c'est un challenge. Et du coup, j'avais envie d'avoir aussi un marqueur de ça et de ce passage-là de ma vie très important qui, je pense, va durer toute ma vie. Je pense pas qu'un jour on arrête de travailler sur soi, mais...
Moi aussi, obligée d'apparaître, ça fait trop longtemps. Et du coup, on arrive à la période vraiment de Noël. Donc, Tim a eu une semaine de vacances. Le 24 et le 25, on les a passés chez les parents de nos amis qui habitent en Caroline du Nord, mais vraiment à côté de l'océan. Donc, on a pris la route le 24 et on a passé le 24 au soir chez eux. On a commandé chinois, on a regardé plein de films de Noël, mangé plein de biscuits. Et c'était aussi très étonnant puisque le 24, on s'est trempé juste les pieds dans l'océan, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Après, c'est vrai qu'il y a des courageux aussi qui se baignent dans le lac Léman, je dis pas, mais moi je fais pas partie de ces gens-là. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir profiter du beau temps et de l'océan à cette période-là. Ensuite, on est retourné le 25 chez nous, on a fait un petit Noël juste les deux en amoureux, on s'est fait un petit repas, et puis le 26 au matin, on est parti en direction d'Atlanta où on a passé 3 jours. Et c'était chouette de découvrir cette ville. Moi, j'y étais juste passée à l'aéroport, c'est tout. On est allé voir un match de football américain, on est allé voir un match de basket. Et puis, on a fait plusieurs musées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grande, grande différence entre Atlanta et Charlotte, même si c'est des villes qui sont relativement proches. On va dire que vu que Charlotte, c'est une ville qui est relativement récente, on a moins de zone entre guillemets abandonnée. Tout est en construction, effervescence, on sent qu'il y a plein de choses qui se créent. Comme je disais avant, c'est plein de vie et plein de projets. Et à contrario, Atlanta, c'est vraiment une ville où on sent qu'il y a un peu un décalage entre la zone touristique qui était pour le coup vraiment utilisée. Je pense que pendant le Covid, ça devait vraiment être vide. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de monde et Charlotte, c'est pas du tout touristique. Du coup, c'était un peu... Je veux pas dire que ça nous a pas plu, mais on a eu notre dose en 3 jours, on va dire ça comme ça. Aquarium petit. Mon point. Et en sortant juste de cette zone touristique, t'arrives déjà dans une zone qui est ultra sinistrée, avec énormément d'inégalités sociales, beaucoup de gens à la rue, on voit vraiment la pauvreté, alors que Charlotte, il y a un peu de ça, mais vraiment nettement moins. Du coup, c'était un séjour qui était intéressant. Faut pas dire que Atlanta, c'est ma ville préférée, mais c'était quand même un séjour qui était intéressant. Et ça nous permet aussi de parfois relativiser, même si on était déçus de pas pouvoir faire le programme initial. On était censé aller à New York avec la famille Tim, faire Nouvel An là-bas, et puis ensuite revenir sur Charlotte. On s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de chance dans la globalité, même si on passe par des déceptions, on n'est pas à plaindre. Et du coup, après ce séjour à Atlanta, on est rentré sur Charlotte. On a fait quelques jours par ici relativement tranquille et on a fêté Nouvel An avec nos potes Max, Caitlin et puis John et Jenny. Ils sont venus à l'appart, on a fait un petit dîner apéro par ici et après finalement on est allé
dans Uptown pour voir les feux d'artifice, faire le countdown, et puis après on allait danser, pas jusqu'au bout de la nuit, parce que les Américains ils font pas très tard finalement, en tout cas pas à Charlotte, ils font pas très tard, mais c'était vraiment très sympa. On allait dans un bar où il y avait de la musique des années 90 et 2000, et c'était vraiment un très très bon moment, et on a bien passé à la nouvelle année, même si ça ressemblait pas forcément au nouvel an qu'on a l'habitude de vivre, mais globalement notre vie ici ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait l'habitude de vivre avant, donc on commence à s'habituer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a un petit peu permis de catch up avec ce qu'on a fait pendant ce dernier mois. Je vais essayer de filmer le séjour de Camille ici et les différentes activités qu'on fait ici, parce que je pense que ça va être chouette. Là on est dans un mois ou deux mois, je sais pas trop dire, où malheureusement Tim travaille beaucoup, et du coup on va probablement faire beaucoup d'activités que les deux, mais ça va être très chouette aussi. Puis quand Tim aura du temps libre, on va essayer d'optimiser ça. Donc je vais essayer de reprendre des vlogs de manière un peu plus régulière. Je sais pas si ce sera dans une semaine, je sais pas si ce sera dans deux, mais je vous promets que je vais essayer de m'y mettre de manière un peu plus importante. Je profite aussi de faire un tout petit peu ma pub, parce que je sais pas si toutes les personnes qui regardent mes vidéos me follow sur Insta, sur ma page Cajou, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle j'étais peu présente et que j'ai peu fait de vidéos pendant le mois qui a passé, c'est que je me suis vraiment investie dans mon projet de bijoux, et c'est trop chouette parce que je sens vraiment que ça commence à prendre et je prends vraiment du plaisir à créer. Et je me réjouis aussi de tout ce qui va arriver. Là, je suis sur un projet avec une fille de Charlotte qui fait son propre thé et qui est dans le small business de Charlotte. Et elle m'a proposé de collaborer avec elle pour faire des bracelets matching pour la Saint-Valentin. Et du coup, elle les vend dans un set avec son thé et puis d'autres choses super. Donc je trouve ça super excitant de pouvoir vivre ça. Et ça me permet aussi de faire des contacts. Donc pour le moment, c'est un bon début d'année. Et j'espère que pour vous aussi, je vous souhaite tout le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Des bisous.